Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans un nouveau Le Point Sûr et ça sera Le Point Sûr Buck. Buck est un personnage intéressant, c'est un flanqueur, c'est un des plus vieux personnages du jeu. Il faut savoir qu'à la base c'était un peu un tank et il a gardé ses PV élevés pendant très longtemps. Bon, ça reste l'un des flanqueurs qui a le plus de PV puisqu'il a 2300 PV. Mais si vous revenez dans le temps et que vous revenez il y a à peu près un an et demi, il avait 2600 PV. Et à une époque même, il avait une sorte de wall au tout début du jeu. C'était pas du tout le même personnage qu'aujourd'hui. Alors Buck est un personnage qui n'est pas vraiment dans la méta. Alors pourquoi il n'est pas vraiment dans la méta? C'est parce qu'il n'a pas assez de sorts de mobilité. Il a juste un saut qui est capable d'être reset sur les éliminations, ce qui peut donc vous permettre de ressauter une deuxième fois. On verra trois decks car les trois façons et les talents sont en effet jouables. Alors pourquoi les trois talents sont en effet jouables? Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de talent joué en pro, puisque Buck n'est pas joué en pro. Buck en pro, c'est surtout athlétique, mais il va être joué une fois tous les 36 du mois. Donc c'est pas forcément obligatoire de se fier à ça. Donc les trois talents sont en effet moyens si on parle, si on veut jouer un flanc. De toute façon, je vous dis, vous jouez Mi actuellement. Donc Buck, ici on va parler de la façon, mais il faut penser que c'est... Ça va commencer à coincer quand vous allez arriver diamant, master, grand master. Si votre objectif c'est d'être GM, vous aurez du mal à l'être avec Buck parce qu'il va falloir vraiment mettre tous les shots dans la tête. Tous les shots dans la tête. À partir du moment où vous mettez tous les shots dans la tête ou 80% des shots dans la tête, mais je dis pas des shots dans la tête dans un pip ou un Makoa, parce que ça c'est facile, ils ont des grosses têtes. Je parle vraiment de mettre des shots sur les Cassie, les Lian, voilà, Lian la plus petite hitbox du jeu, voilà, il va falloir va falloir les mettre. Hein. À partir de là, votre bug sera jouable à peu près à n'importe quel elo, quand vous mettrez vraiment tout dans la tête et que vous aurez un bon game sense. Mais globalement, si vous avez un tir qui est correct, vous pourrez le jouer jusqu'en diamant et après ça va commencer à s'essouffler. Par contre, si vous êtes bronze, silver, gold, que vous en pouvez plus, que vous dites « Oui, Iker, je perds à cause de mes teammates », et ben, quand vous êtes first pick, deuxième ou troisième pick, vous me prenez Buck et que ça saute et vous allez me remonter tout ça. Parce que Buck est très fort à Bailo. Très, très, très fort contre des gens qui ne vous voient pas arriver. Très, très fort contre des gens qui ne prennent pas cautérisé. Très, très fort contre des gens qui pensent que vous êtes faible. Alors, c'est un personnage en béton armé qui est quand même assez solide et assez difficile à tomber en 1 contre 1. Et à Bailo, souvent, c'est du 1 contre 1. Ou souvent c'est des teams qui sont paqués mais qui voient même pas qu'il y a un mec derrière. Bref, en général, Buck est un véritable poison à Bailo, comme Skyley par exemple, ou Lexley, ou Mojile pour certains. Voilà. Buck c'est très fort, donc n'hésitez pas à le jouer. Et c'est juste à partir de diamant que vous allez commencer à avoir certaines résistances s'opposer à vous et certains joueurs connaître les défauts de Buck que je vais bien évidemment citer. Donc son arme fait 700 de dégâts, donc si vous faites 700 de dégâts et que vous tirez dans la tête, bah vous faites 350 de plus, ce qui fait 1050 de dégâts. C'est énorme, 1050 de dégâts pour un personnage qui tire une balle toutes les secondes, donc c'est assez élevé. Vous pouvez faire 2100 assez rapidement. Donc si vous avez si vous tapez quelqu'un qui a perdu un petit peu de PV, je dirais un cinquième ou un quart, deux balles dans la tête, paf, on n'en parle plus, il est mort. Donc ça c'est très très efficace et très puissant, surtout qu'avec votre ulti vous avez 60% de vitesse d'attaque pendant 6 secondes. Donc là les balles vont vraiment fuser si vous faites, vous allez donc tirer plus de 3 balles en 2 secondes. Donc si vous les mettez toutes dans la tête, tout le monde crève sauf les tanks. Donc voilà, et vu que vous êtes un flanc, vous n'êtes pas forcément trop hyper basé sur tuer les tanks. Tir filet, vous tirez un filet qui ralentit la cible de 50% pendant 2 secondes et inflige 200 de dégâts. Donc ça, c'est généralement, vous allez faire le combo, tir, clic droit, tir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les resets auto, les resets automatiques, les cancel animations. Ça va cancel les animations et vous allez pouvoir burst un petit peu plus. Donc clic gauche, clic droit, clic gauche, comme on le fait avec une Cassie, clic gauche, à clic gauche. C'est très très fort. Bon, le tir filet fait que 200 de dégâts, donc c'est pas forcément non plus monstrueux, mais voilà, ça permet d'avoir un léger burst, donc n'hésitez pas à l'utiliser, puisque vous faites le calcul, si vous faites tir dans la tête 1050, le filet ça fait 1250, plus une nouvelle fois de tir dans la tête, ça fait 2300 de dégâts. Et 2300 de dégâts, là ça commence à tuer beaucoup de
personne. Bon, héroïque, c'est un saut, mais c'est un saut qui vous allez devoir orienter votre caméra pour augmenter la distance pour pouvoir monter sur une hauteur. Généralement, c'est bien de mettre votre souris vers le haut. Ça vous permet d'aller plus loin et d'atteindre certains angles. Vous le verrez sans doute dans mon gameplay. Bug, c'est quand même un personnage que j'ai rang 40, mais que je ne joue plus depuis plus d'un an. Car depuis un an, il s'est fait nerfer et il est passé à l'oubliette, dans l'oubliette à niveau compétitif. Niveau compétitif, c'est D1, D2, Master, GM, quoi. Vous en verrez vraiment. Vous verrez au TPRTDE, qui est un joueur français qui joue Buck. Vous verrez anciennement, vous auriez vu FKNS, qui était un joueur de Buck, mais qui ne joue plus au jeu. Vous avez voilà quelques joueurs de Buck. Genre Alex, j'ai vu qu'il avait fait le joueur pro des Ninjas and Pyjamas, une game avec Buck bon et rebond. Voilà. Hein, vous allez avoir le deck bon et rebond d'Alex, mais bon, faut avoir le niveau d'Alex pour jouer bon et rebond. Voilà. Je suis pas sûr que. Bah, je pense quand même que tous les viewers de Laker TV sont exceptionnels, donc je pense que vous avez le level d'Alex. Donc n'hésitez pas, quand je vais vous montrer le deck bon et rebond d'Alex, à le jouer. Récupération, c'est un heal de 1000 PV pendant 1,5 secondes, c'est très très fort. Et c'est un sort qui a été modifié il y a environ un an et demi justement, où maintenant il y a une barre qui s'affiche. Avant, on pouvait faire tir à tir instantanément, c'est-à-dire qu'on pouvait récupérer beaucoup de PV entre chaque tir qui fait 1050, donc vous imaginez que c'était difficile à tuer un bug dans ces cas-là. Maintenant, l'animation est très longue, il y a la barre, elle s'affiche et vous ne pouvez rien faire entre. Et bah, bien évidemment, c'est un énorme nerf de bug. Voilà, ça a été l'un des moments où bug a pris très cher de la part d'Ayrez, et il a été nerfé, je crois, 3 fois sur 3 patchs successifs. Donc, il lui avait fait très très mal. Pour ceux qui se demandent s'il regrette, il pleure un petit peu. Ils ont un poster de Zin affiché dans leur chambre et ils pleurent tous les matins à cause du nerf sur volute de fumée. Sachez que Bug s'est pris 3 fois ça il y a un an et demi. Récupération qui s'est fait nerfer. Ensuite, ils ont nerfé la carte du heal dans son deck et ils ont nerfé la carte de damage réduction dans son deck. Donc il a pris cher. Fou furieux, vous vous enflammez, vous regagnez toutes vos munitions. Donc ça, très très important. Je ne l'ai pas utilisé dans mon gameplay parce que j'ai déjà fait mon gameplay. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ça reset les munitions. Donc en gros, ça peut être bien de vider son chargeur et ensuite d'appuyer sur le type pour ne pas avoir besoin de recharger dans un duel par exemple. C'est assez fort. Ensuite, au niveau des talents, comme je l'ai dit, les 3 sont viables. Quelle est la façon la plus safe de jouer ? Athlétique. Quelle est la façon la plus agressive de jouer ? Bon et rebond. Quelle est la façon intermédiaire ? Filet en mêlée. Je dirais que filet en mêlée, c'est intermédiaire. Les 3 sont en effet jouables, mais moi je préfère athlétique car c'est la façon dont j'ai un petit peu inventé, puisque athlétique était joué avant, par moi, avant. Ça me faisait rire parce que je discutais avec des gens à l'époque et ils me disaient « Non, mais Iker, le nouveau Buck, il faut jouer parce qu'ils ont ajouté les talents. » Et moi, en fait, j'ai toujours trouvé, dès le début, j'ai dit « Mais athlétique, c'est complètement pété du cul. Ça te permet d'avoir un sustain énorme, etc. » Et en fait, à l'époque, les gens y jouaient pas. Et je me rappelle, 3 semaines plus tard, à la LAN, il y avait des bugs athlétiques et des mecs, ils ont fait « Oh, mais en fait, c'est pété du cul !» Et il y a eu la mode athlétique. En fait, j'ai joué athlétique avant de le voir jouer par les pros, donc ça m'a fait assez rigoler. Parce qu'en fait, moi, à l'époque, j'étais un joueur, les gens vont dire nul, et je suis toujours nul, mais j'étais beaucoup plus nul qu'avant parce que c'était en 2017. 2017, septembre, j'ai commencé mes matchs en solo queue, j'étais silver, et je crois qu'il m'a fallu attendre octobre-novembre pour passer des 5, diamant 5, et je suis beaucoup passé diamant grâce à Bug justement, et voilà, et donc c'est pour ça, et donc il m'a fallu beaucoup de temps, hein, pour ceux qui se demandent, qui sont classés gold, silver, et qui ont la flemme de monter, il faudra du temps hein, pour monter, hein. C'est pas forcément facile, au début, surtout quand vous êtes enfermé, où vous avez vraiment personne sur qui compter parce que le niveau est faible, dans ces cas-là, faut jouer des persos de solo queue. Quand vous êtes premier, deuxième, troisième, vous jouez Buck, vous jouez Moji, vous jouez Lex, vous jouez, je sais pas moi, Sky, vous jouez des Cassie, Lian, bien évidemment, qui sont joués aussi à Oello. Voilà, vous jouez des persos qui carry, hein, vous jouez Atlas,
Je pense pas, je sais pas si les pères Baban et Yellow Silver passent. Vous jouez Makoa, vous jouez des trucs qui ont du caractère et qui peuvent 1v3, 1v2 assez facilement pour pouvoir gagner vos games tout seul. Tout simplement. Ce qui n'est plus trop faisable à partir de mon Elo D2, D1. Ça devient compliqué de vouloir faire une game tout seul, sauf quand on est joueur pro. Ouais. Filet en mêlée, ça augmente votre burst, donc c'est assez violent, ça permet de faire très très mal sur le shot dans la tête. Mais bon, on fait déjà suffisamment mal, j'aurais tendance à penser. Mais l'avantage, c'est que l'effet dure au minimum 2 secondes, donc inflige 30% de dégâts, donc vous allez le mettre sur 2 shots. Ce qui est assez élevé comme dégâts, ça permet vraiment de burst et d'être très violent. Si vous mettez même pas le shot dans la tête, vous mettez le shot dans le corps, ça fera très très mal aussi. Donc filet en mêlée, c'est vraiment du burst, mais du burst que vous allez pouvoir répéter avec certains decks. Bon et rebond, bah là généralement c'est un sort de dégâts d'attaque, donc vous allez utiliser le bon pour aller dans le fight, et là vous allez faire un petit 600, et le but c'est d'essayer de mettre la balle dans la tête dans la personne que vous allez faire rebondir, qui sera à 1050, donc vous allez faire un burst de 1650 dégâts, ce qui est très élevé. Si les gens sont déjà un petit peu low. Bon et rebond, vous allez y aller dans la mêlée quand l'adversaire sera soit pas du tout focus sur vous, ou soit déjà ayant perdu au moins un tiers de ses PV pour pouvoir le burst et passer au suivant derrière. Le défaut de bon et rebond, c'est que si la personne elle est au-dessus du sol de 5 cm, elle ne prend pas le bon et rebond. Donc imaginons, c'est un Drogos qui vient de s'envoler, il prend pas le bon rebond. Une Willow qui vient de s'envoler, elle prend pas le rebond et rebond. Un Bug qui vient de sauter, il prend pas le bon et rebond. En fait, il faut vraiment être collé au sol pour prendre bon et rebond. Donc vous aurez compris, si vous jouez sur des personnages à verticalité comme Miv, Androxus, vous jouez contre un Bug, vous jouez contre un Drogos, contre une Willow, bah vous allez pas faire le 600 de dégâts, donc c'est fort contre Tyra, c'est fort contre Cassie, c'est fort contre Lian qui ne bouge pas du sol, contre Genos, et encore Genos il peut ne pas être au sol s'il saute et voilà il vole sur une corniche, Mal Lamba, etc., etc. Après Mal Lamba il va sans doute serpenter et vous ferez pas non plus les 600 de dégâts. Athlétique, c'est vraiment très très fort en termes de heal puisque vous récupérez instantanément 600 PV de plus et augmentez vos PV max de 300. Donc on passe à 2600 PV. Donc ça c'est assez élevé et en plus vous healez de 600 en plus. Donc 600 plus 1000, ça fait 1600 en 1,5 secondes. C'est un heal énorme plus 300 PV. Donc ça fait vraiment un surplus de tankiness assez puissant. Et qui a été trop puissant pendant un moment puisque ça a été nerfé. Maintenant, on va parler des decks. Alors, on va parler des decks. Vous allez avoir ici le deck basé sur le saut. Le saut, donc la légendaire de saut. Alors après, c'est pas forcément basé sur la légendaire de saut. Hein, certains peuvent jouer ce genre de deck avec la légendaire récupération, par exemple. Mais bon, ça se joue plutôt avec le saut en général, puisque vous avez chaque exécution réduit le temps de recharge en cours de 75%. Donc en gros, vous allez sauter, défoncer un mec. Avec le bon héroïque, vous subissez 30% de dégâts en moins pendant 4 secondes. Donc en gros, au moment où vous allez tomber sur le sol, vous subissez 30% de dégâts en moins. 30% de dégâts en moins, sachant que vous avez 2300 PV, bah ça fait comme si vous aviez 30% de PV en plus. 30% de 2300. C'est 700 PV, donc c'est comme si vous sautiez avec un buck qui a 3000 HP sur quelqu'un et vous allez essayer de le tuer, car si vous arrivez à le tuer, vous récupérez votre saut et vous repartez. Hop, c'est ça le bon et rebond, vous vous barrez. Donc ça demande un petit peu de maîtrise, mais vous comprenez un peu l'idée de pourquoi on prend bon et rebond avec ce genre de deck et pourquoi on prend cette carte, pour pouvoir justement affliger le kill et pour pouvoir s'enfuir. Je rappelle que c'est chaque exécution réduit le temps de recharge en cours de 75% et pas chaque élimination. Chaque exec, c'est le fait de tuer la personne et c'est pas élimination, c'est le fait d'assister à la mort. Donc il faut vraiment, je crois, tuer la personne pour que ça fonctionne. Activer récupération redonne une munition de les 0,5. C'est une carte que vous allez voir dans à peu près tous les decks. Le saut de mon héroïque est 15% plus puissant. Bon, là, 3 points, c'est beaucoup, mais vu que vous êtes basé sur le bon, c'est assez logique. Et récupération se recharge une seconde plus vite.
Voilà pour le deck saut. Maintenant, on va passer au deck tir-filet. Le deck tir-filet, vous pouvez jouer tout simplement ce genre de deck là. Tir-filet augmente de vitesse de 10%. Tir-filet se recharge 4 secondes plus vite. Chaque exécution réduit le temps de recharge en cours de 75%. Bon héroïque réduit les dégâts de 24%. Et activé à récupération vous redonne une munition toutes les 0,5 pendant 5 secondes. Donc ça permet de récupérer une munition si vous en avez vraiment, vraiment besoin. Bien évidemment, si vous voulez plus de vitesse, vous pouvez augmenter ici, diminuer ici, comme vous le souhaitez, bien sûr. Ça, c'est tout à fait envisageable, mais vous voyez les cartes qui reviennent un petit peu. Par contre, si vous jouez le buck récupération, donc avec le talent athlétique, je vous conseille vraiment de ne pas partir sur les mêmes cartes. En général, on va jouer plutôt un deck comme celui-là. Non, pas comme celui-là. Si, comme celui-là. Comme celui-là, oui, il passe. Comme celui-là, il est très très bien. Activer récupération réduit de 30% les dégâts que vous subissez pendant 2 secondes. Ouais, 2 secondes, hein, c'est beaucoup plus court qu'avec le bon héroïque. Qui avant, cette carte était à 3 secondes, mais ils l'ont nerfé. Donc vous subissez quand même 30% de dégâts en moins quand vous activez récupération, ce qui vous permet quand même généralement de tanker et d'essayer de vous barrer. Vous faites récupération et vous faites bon et vous essayez de vous barrer. Ou alors vous faites récupération dans un moment où on essaye de vous surprendre, ou alors dans un fight où vous voulez gagner à coup sûr, donc vous mettez votre heal. Bref, ça permet de diminuer les dégâts de 30%, donc diminuer quand même le burst. Ça fait comme si vous aviez 3000 HP, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous êtes un petit peu plus tanky. Hein. Vous pouvez par exemple tanker un ulti Genos, ou si vous êtes full life, ou tanker un ulti Lian avec ce genre de sort, avec ce genre de carte. Donc c'est assez fort. Récupération se recharge 4 secondes de plus. 4 secondes plus vite, pardon. Donc ça vous permet de le spammer, le sort de heal. Donc de spammer la légendaire et d'être quasiment très souvent sous la possibilité de vous heal et donc de ne pas être tuable facilement. Au pire, vous attendez 1,5 secondes et hop, vous balancez le heal au max et vous allez régène quasiment à chaque fois à fond. Activer récupération redonne une munition toutes les 0,5 pendant 0,5 secondes. On l'avait tout à l'heure, le saut est un peu puissant et cette carte-là, en dessous de 50% de PV, vous recevez 20% de soins en plus. Il faut le savoir qu'il y a un an, c'était 40% et au max, c'était 50% de heal en plus. Donc en gros, vu que vous soignez de 1600 de base en 1,5 secondes et que vous aviez 50% de heal en plus, vous vous healiez de 4400. En 1,5 secondes il y a un an et demi. Donc c'est pour ça que c'était un buck extrêmement tanky il y a 2 ans sur le jeu, il y a un an et demi sur le jeu. Maintenant il est beaucoup beaucoup moins tanky, vous vous en doutez. Voilà pour la présentation des decks, voilà pour la façon de jouer. Alors bien évidemment, buck est un flanqueur particulier, il peut pas rentrer et ressortir du fight sauf si vous faites une élimination comme on l'a dit. Donc c'est un personnage qui doit se jouer de manière un petit peu plus prudente. Vous êtes quand même relativement solide, relativement tanky comparé à un flanc comme Ivy ou Mif, c'est certain, mais vous n'avez pas leur mobilité, donc vous devez faire attention. Le taf d'un bug sera de tuer le flanqueur adverse ou de tuer la backline adverse. On va essayer de le faire dans un gameplay. Je vous dis à tout de suite. Et on est parti dans le gameplay de Buck. Buck avec sur Fish Market. Bon, sur Fish Market, Buck, c'est pas forcément un personnage OP. Bon, les flanqueurs en général sur ces maps sont difficiles à jouer parce qu'en fait, les hitscans se mettent sur les hauteurs. Par exemple, si c'est une Yann ou une Cassie, vous allez les attaquer, mais elles vont vous voir arriver parce que vous pouvez arriver que de deux endroits. En ayant une vision sur la hauteur et sur les devant vous, vous avez quand même, vous savez qu'on peut pas venir sur votre sur vous vraiment sans être hyper sans passer vraiment sur les côtés. Donc en fait, il suffit de rester un petit peu au taquet sur les côtés et normalement ça passe. Les flanqueurs sont assez gérables. Donc on va essayer de voir si quel niveau de game il y aura, parce que bon, bien évidemment, à plus bas elo, vous allez pouvoir, il y aura des trous et vous pourrez passer. Donc on va voir, même si la compo adverse est quand même assez violente, ils ont du double tank en casu, hein, c'est pas tous les jours, et nous on a une compo avec un Terminus. Terminus, c'est assez difficile de le jouer sur cette map, puisque déjà en plus il va jouer face à un grab de Makoa, donc bon, il pouvait pas le savoir, hein, c'est une casu, mais ceci explique pourquoi vous normalement vous verrez pas beaucoup de Terminus. Parce que là, voilà, il est mal barré, quoi. On va essayer de l'aider, mais
tracteur qui est là-bas. Avec le stun de Io, ça vaut le coup. Ok, le... Il s'est fait gérer par la Mive. Ah, mais il y avait le Victor aussi. Mais les mecs, ils jouent comme une équipe ou quoi? Ils jouent vraiment... Ça, par contre, c'est vraiment jouer chelou. Ne pas aller au main et d'aller comme ça sur le côté, c'était vraiment bizarre. Comme une équipe, quoi. Ils sont trois à étaler à droite, le Makoa, le Victor et l'ami. Alors vous allez me dire, comme une équipe, oui, mais on joue pas comme ça, normalement on va sur le point. Sur le point, c'est beaucoup plus important d'y être. Et si les autres free cap, c'est pas terrible. Toujours orienter la verticalité, la hauteur. Elle peut pas m'avoir. Gagne du temps. L'avantage avec Bug, voilà, c'est que vous devez gagner du temps avec votre personnage. On déballe de nouveau. Les gars, marre-toi, ouais. Non, sérieusement. Ah, il avait fait exprès, je pense. Et oui, ça c'est le gros défaut de Buck. gros défaut de Buck. Une fois que vous êtes en l'air, on vous chope avec un Genos, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que Mivy et Ivy sont plus intéressantes. Bien joué. Ça va venir par la droite, je pense. Ouais, Terminus, voilà. Il y a l'air. Logique. Pas forcément, on est juste là pour DPS. Juste attendre le bon moment pour y aller. Oh putain. Pas facile. Pas facile parce qu'en plus on se fait des kills. Alors je pensais pas que ça allait moi qui allait être grave, je pensais que ça allait plutôt être le Strix. My bad. Mais là le Terminus, regardez, il crève en boucle. Il raid, oh là là. Une erreur suivie d'une autre erreur. Faut jamais raid avec un personnage comme ça, faut rester sur le point. C'est une game d'un bon niveau hein, pour de la casu hein. Sauf ça c'était nul. Ouais, ça va être compliqué d'être très utile dans cette game. Ils jouent comme il faut jouer sur cette map, c'est à dire ils jouent pas comme des bronzes, des silvers ou des golds quoi. Ils jouent de manière défensive et on voit bien que voilà, on voit bien qu'on joue Mive ou Eevee sur cette map, on joue pas autre chose. Tout simplement parce que c'est trop difficile d'aller chercher. Si je saute sur la backline, je me fais directement retourner. On a vu que le moindre moment où je suis un petit peu seul dans la backline, je me prends 4 personnes sur la gueule et je crève. Donc c'est des games où le rôle de flanqueur est pas si simple que ça à jouer, parce que t'arrives pas à te faire oublier en fait. Tu peux pas te faire oublier. On va essayer de se faire oublier. Là, on va essayer de montrer un début de round d'un flanqueur. Début de round d'un flanqueur, ça va être de faire ça. Voilà. Nathan. Le Victor il est tellement prêt à que je tire, le Makoa aussi, donc on va faire le tour, petit Genos, voilà, bon bah on a pas réussi. Merde, le Midnight c'est chiant comme ça, très très fort, très très sous-estimé pendant très longtemps, il est mort, non. Ah,
Mais on a réussi à le tuer, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal limiter la casse. Fallait l'utiliser avant l'ulti. Ah, avec Yo-Yo, faut l'utiliser avant qu'elle lance son ulti. Pour que le au moment où elle touche, ça soit... Ah, il vole. Yo, tu devrais heal la hache, la Cassie, elle attend que ça. Victor qui est en dessous. Merde, ma souris qui bloque. C'est infâme, elle veut plus tourner. Voilà, deux balles dans la tête. Ça fait le taf. Je me retourne souvent sur le tank parce que le tank est facilement top généralement après. Ouais, faut pas rêver, Genos. Hein. Je suis Victor. Je suis Buck. On sent que mes réflexes de Buck sont toujours là, même si je le joue plus du tout. On sent quand même que je l'ai joué à l'époque. Je suis quand même content. Il y en a qui vont dire, mais t'es nul, Iker, avec ton Buck. Oui, je suis nul, mais je le joue jamais. Je joue plus depuis un an et demi. Ça fait un an et demi que ce perso a été nerf, un an et demi que dans chaque le point sur Buck que j'ai dû en faire deux. Je dis, bah, jouer plus le perso, quoi. Il est plus si fort que ça. Et il est intéressant, mais on voit que... On me grab, je meurs quoi. Avant je mettais un grab, je subissais tellement de dégâts en moins et je me healais tellement que je mourrais pas en fait. C'est pas du 1 contre 1 les potes, c'est pas du 1 contre 1. Je sais pas si je devais partir cautériser 2. On va prendre Havre maintenant pour diminuer les dégâts de Miv et de Victor sur leur tir. C'est un Victor grenade quand même. Et je pense qu'après il faudra que je parte sur... Oh, bien joué! Oh, il est pas mort! Il est pas mort! c'est un Makoa Grab. C'est pas un Makoa Léviathan. Oh, il est mort. C'est quoi, il est mort? Ça me fait marrer à quel point je me fais taper dessus. Yo est où? Tra là là, il joue tellement serré. Il joue tellement comme dans une ranked. Ça me fait chier parce que, comme je l'ai expliqué hier soir en stream, j'ai un MMR en casu qui a chié. Je devrais pas jouer contre des gens comme ça en casu. C'est parce que pourquoi j'ai un MMR de merde en casu et que je suis bien classé en ranked? C'est parce que bah, je m'amuse à faire les le points sur depuis 3 ans. Quoi. Donc forcément. Et puis surtout, le jeu paladin est mal fait dans le sens où ça va prendre en compte le level d'acompte. Je l'ai eu. Ça va prendre en compte le level d'acompte et non pas le level. Mais bougez s'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes trop passif. Bien joué. Et donc ça prend pas en compte le pourcentage de win rate comme dans tous les jeux. Dans tous les jeux ça prend en compte ton win rate. Et bah non, ça prend en compte ton level d'acompte. Oh dommage, elle s'est soignée hein, quand elle a utilisé le 9 vie. Elle s'est soignée de 400, donc ça l'a soignée un peu de 40. Je comprends pas pourquoi on n'avance pas. Putain, à chaque fois ils sont low. À chaque fois il reste, alors à chaque fois qu'il faut. Par contre, il y a des erreurs. Hein. Le Makoa, il est pas Léviathan, etc. Mais sinon, ça va. Il faudrait pas. Utiliser l'ulti à chaque fois de Terminus comme ça. Revivifier, rage vie, motivation. Ouais, ça joue pas du tout comme ça par contre. Va falloir faire un le point sur Terminus. Ça joue agile.
Bon, la game est cool. La game est cool, sinon, à part ça, la game est relativement cool. Je vais partir sur Résilience. Résilience serait bien pour rendre le Midnight moins puissant. Que le Midnight, très clairement, il peut me jambonner. Il est quasiment tout seul là. Hein. Bien joué. Je me fais taper dessus à chaque fois, je sais pas pourquoi. Elle a sauté vers moi, non? Oh, j'en ai marre de cette mif qui joue pas flank, mais qui joue anti-flank. Je vous le dis, des fois, le rôle de flanqueur, ça peut être juste d'empêcher le flank de flanquer. Mais c'est vraiment ça qu'elle fait, elle ne DPS jamais sinon. Rêve pas, cette fois-ci, je vais garder mon job. Ah, t'aurais pas dû faire ça. Tu t'es tué, là. Ouais, attention, les potes, faut pas sous-estimer Buck. Hein. Buck reste un excellent personnage. Par contre, aller au corps à corps d'un Makoa quand tu sais pas s'il a son épée, c'est dangereux. Je préviens, juste. J'attends 1,5 secondes. Oh, il est low. Oh, il est low. Je joue littéralement un V2 en permanence. On est marre. Yo, elle est en bas et la seule chose qu'elle fait, c'est heal. Le Strix, là, il était mal positionné. Il voulait taper la mif, mais il avait en face de lui un Makoa. Là, je pense qu'on est en train de se roll. On est en train de se roll la game parce que là, on avait fait un bon truc. On est vraiment littéralement en train de se roll. Faut aller sur le point, mais... Ouais, on est en train de se roll. Oh, comment ça joue anti-moi, putain, c'est un truc de ouf. Oh là là. Ça reste quand même un bon perso d'un contre un. Là, on le prouve ici. Ça reste un bon perso d'un contre un, le Buck. Faut le sous-estimer. Faut vraiment jouer très 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 bien mis pour battre un Buck. Hein. C'est moi qui ai l'avantage au niveau du perso, c'est pas moi qui suis meilleur que le joueur. Hein. C'est plus le perso est plus fort en un contre un. Plus facile à jouer en plus. Il a du heal. Hein. Bon, mis a du heal, mais beaucoup moins violent que le heal de Buck avec récupération. Par contre, normalement, Mif peut se barrer, tu vois. C'est ça l'avantage qu'elle a sur Buck, c'est que normalement, Buck il peut pas trop la suivre, quoi. On voit bien que j'arrive pas trop à la suivre. Je vais essayer de me soulever, donc faut que je me barre. Mets-toi devant, merci. Oh, pas mauvais le joueur de Mive. De toute façon, il y a des. Il y a un, je pense qu'il y a un level. J'aurais plat de diamant master dans ces games. Au niveau des gens. Il y a des gens qui sont perdus, mais il y a des gens qui sont pas mauvais. Bon, il faut que je reprenne mon rôle de flanqueur. Aussi. Mais c'est dingue, putain, mais... Oh, mais faites quelque chose. Faites quelque chose, les autres. Parce que oui, les autres font rien pendant ce temps. Rien. Ils laissent crever le terminus. Et... Mais non, mais il faut pas avancer comme ça. Bon, on a perdu. On a perdu. Il faut pas... Vous avez pas de tank. Faut laisser le payload push. Mal mauvais positionnement d'Io. Oh, on a perdu. Voilà, ça sent. Oh là là, les gens. Strix, t'es pas un corps à corps, tu devrais être là-bas. On a perdu.
On va tomber en domino et perdre. Ça pue. Je l'avais dit qu'on la perdrait cette game. Dommage. GG. Aïe. Eh oui, je parle des erreurs de mes alliés parce que au moins vous les apprenez les erreurs. Si vous les faites vous aussi, si vous pensez que le Strix est bien positionné, la IO est bien positionnée ici, vous avez tort, il faut reculer. Il faut reculer, attendre que le Terminus ressuscite, attendre que le Buck ressuscite surtout parce qu'ils sont allés fight, ils étaient 3 contre 5. Dommage. Team Oreo est pas mauvais, c'était une game intéressante je pense, mais voilà. Au moins on aura vu que c'est pas facile de flanquer sur Fischmarchette, que c'est pas facile de flanquer tout court parce que vous allez avoir sans off-tank. Hein, sans off-tank c'est très difficile de flanquer, c'est pour ça que les pros jouent un off-tank avec le flank pour l'accompagner. Parce qu'on voit bien que quand tu es tout seul, littéralement tout seul, quand tu vas attaquer la backline, et la backline elle est constituée de Victor, de Genos, et de Miv, parce que Miv n'était pas vraiment une énorme flanqueuse, elle m'a beaucoup tué, donc dans ses 15 kills elle m'a tué au moins 4 fois, donc déjà ça fait 4 kills de moins qui sont liés à moi. Donc quand vous avez une backline aussi solide, bah, le rôle de flanque est difficile d'être fait. Si la Miv elle a pour but de vous empêcher de jouer le Genos et le Victor, voire de temps en temps le Makoa, bon le Makoa c'était vraiment en early, mais bah, forcément votre rôle va être difficile à jouer. Par contre ça facilite le taf normalement de Strix et de Cassie, puisque bah, c'est des mathématiques. Hein. Si je meurs pas trop, parce que bon, on n'est pas non plus mort non plus des un milliard de fois, on est mort 10 fois, ce qui est beaucoup hein, comparé à Cassie. Mais bon, Cassie, c'est pas le même personnage que Buck, elle a pas le même rôle, elle est positionnée derrière, elle recule. Bon, on est mort que 10 fois, alors que le Strix 13 fois et le Terminus 11 fois et la IO 8 fois, donc ça va. C'est que si vous avez tout le temps, à chaque fois que vous reculez, deux ou trois personnes qui se concentrent sur vous, bah à l'inverse, la Cassie, ça veut dire qu'elle est en train de faire piou, 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 et qu'il n'y a jamais personne qui l'embête. Quoi. À part le Victor, je pense qu'il y avait peut-être le Victor qui essayait de l'embêter de temps en temps, mais voilà, voilà. Ah ouais, c'était une game d'un assez bon level, puis la game n'était pas dégueu de mon côté, donc je suis plutôt content, on a réussi à faire des bons kills. Mais c'est difficile, hein, c'est pour ça que flanker c'est vraiment un rôle psychologiquement qui est difficile, parce que vous allez vous taper des games comme ça à partir d'un certain level, où vous avez l'impression d'être un V10, enfin un V5, d'avoir tout le temps l'impression que les gens se retournent contre vous, tout simplement parce que votre équipe ne met pas la pression. Alors là, ce ne sont pas les fautes des joueurs, ce sont les fautes des picks. On n'a pas d'off-tank. On a un tank point qui ne tient pas. Hein, c'est-à-dire Terminus, il se met devant, il se met au milieu, il essaye de tenir, il se prend un grab de Makoa. Il est mal positionné, il crève, il est obligé de se barrer. Donc en fait, on n'avait pas de front lane qui tenait. On n'avait même pas un tank point qui tenait. C'est-à-dire que vous mettez une Inara à la place du Terminus, au moins la Inara peut prendre des coups pendant longtemps. Terminus, il ne peut pas prendre des coups pendant longtemps. Parce que c'est Terminus, quoi. Et que c'est pourri. Voilà. Mais globalement, voilà, c'était intéressant. Et donc forcément, c'est difficile de remplir le rôle de flanque. Parce que bah il y a ce côté où on n'a pas de off tank, on n'a pas de deuxième flanqueur, on n'a pas un tank point très solide. Donc c'est facile pour eux de se retourner contre moi à chaque fois que je rentre dans un fight. En fait c'est très facile. Et il y a des games où c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Et c'est pour ça que se plaindre tout le temps du flanqueur, c'est de ne pas comprendre le jeu. Parce qu'en fait tu ne peux pas flanquer si tu n'as pas une front lane qui tient et qui au moins occupe un peu un dégât, un peu les deux tanks ou un tank, ou si tu es à l'inverse dans une game où t'as pas de tank, donc résultat t'as pas de tank point qui est vraiment solide et donc où il fait que crever. Et voilà, et donc et vu que à mon avis le Terminus jouait de manière très passive parce qu'il n'est pas assez mort en fait. Hein. Là, un Terminus en ranked, il serait mort 25 fois. Hein. 20 fois, ça nous est arrivé hier de jouer avec un Terminus, je crois. Il est mort 19 fois, je crois, dans la partie. Parce que c'est pas jouable à l'heure actuelle, c'est trop faible. Et voilà, donc il a dû jouer safe. Donc en force, en jouant safe, bah, il fait que si moi j'essaye d'attaquer la backline, bah, tout le monde se retourne contre moi, puisqu'ils ne sont concentrés que sur moi, parce qu'en fait ils m'entendent arriver, ça c'est facile hein, vous jouez avec le son des effets à fond, et s'il n'y a personne devant eux, bah, c'est facile pour eux de se dire ah bah je vais taper le bug. En fait l'être humain est très facile
à comprendre, c'est-à-dire qu'il va taper que la première chose qu'il voit. C'est pour ça qu'en tant que flanqueur, il faut pas se montrer en premier, il faut essayer de se montrer après, plus tard. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile de jouer flanque dans une équipe avec un off-tank et avec des gens où quand la game elle est un petit peu plus serrée, parce que là, elle n'était pas si serrée que ça, la game. On le voit bien aux dégâts, ils nous ont out dommage de manière assez violente. La Miv m'a out dommage de 40. Ah non, pas autant. La Miv, on voit bien que la Miv elle était en 10 mois parce qu'elle a pas beaucoup de dégâts. Le Victor, encore, on voit qu'il faisait son taf, c'est-à-dire il me tirait dessus dès qu'il me voyait, mais sinon d'habitude il tirait sur autre chose. Il tirait sur autre chose, donc il a bien joué le Victor. Par contre, la Miv, on sent bien qu'elle était en 10 mois parce qu'elle n'est qu'à 11-4 plus de dégâts que moi et qu'elle est morte 4 fois de moins que moi. 4 morts moins que moi, donc c'est-à-dire qu'en gros, elle ne profitait pas des moments où j'étais mort pour infliger énormément de dégâts. En fait, on voit qu'elle était anti-moi, c'est-à-dire elle voulait m'empêcher de jouer. Mais ce qui est le taf d'un flanqueur, quand t'as peur qu'un flanc, quand tu sais pas bien jouer flanque, que t'as peur de la Cassie, que la Cassie elle t'a tué énormément de fois, en gros, elle essaye de me neutraliser, mais elle neutralise pas la Cassie. Donc après, ça veut dire que le reste de la partie se joue entre le duel Cassie-Victor ou Makoa-Cassie, si elle fait pas son taf et qu'elle va jamais tuer la Cassie. Donc ça, c'est le défaut. C'est-à-dire qu'un mauvais flanqueur, un flanqueur doit s'adapter, mais un flanqueur qui veut vraiment jamais aller chercher la Cassie, il va faire que la game va se jouer entre Victor et Cassie, point, et non pas entre Miv et Cassie, ce qui devrait être à peu près normalement le taf de la game en fait. Donc c'est un peu compliqué. De toute façon, Paladin est un jeu de teamplay. Et comme je t'ai expliqué l'autre soir, on ne perd pas à cause d'une seule personne. Moi aussi, j'ai eu du mal à jouer cette game. Mais je pense que j'ai eu du mal à jouer cette game pour les raisons que j'ai citées. C'est-à-dire que normalement, en fait, en ayant autant de monde qui se retourne contre moi, je devrais avoir un Strix avec 150K DPS et une Cassie aussi à 150K DPS dans une game de 17 minutes. Parce qu'en fait, ils ont pas de pression. Makoa essaye de leur mettre la pression mais fait que crever. Et normalement je devrais avoir un Makoa. Je devrais avoir un Strix avec beaucoup plus de DPS. Et avec une Cassie aussi avec beaucoup plus de DPS. Mais la Io, elle a fait que DPS aussi parce qu'elle est à 52K. Donc elle devait pas heal. En fait, il y a un moment, on a vu Io et on a vu Cassie. Et on a vu que Io ne healait absolument pas la Cassie, donc c'était pas facile non plus pour elle. Parce qu'elle ne healait pas la Cassie, Io jouait DPS à fond, là, 52K, c'est vraiment beaucoup. Ça prouve qu'il ne s'est pas du tout concentré. Enfin, c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que il est qu'à 2-8-14 avec sa Io pour 52K DPS. C'est pas énorme, sachant qu'il devrait être plus comme moi, voire même devant moi largement au kill. Parce qu'en fait, vu que vous êtes support, vous êtes quelqu'un qui est censé heal et DPS. Et quand vous healez quelqu'un qui tue quelqu'un, vous avez une assist. Quand vous DPSez quelqu'un qui se fait tuer par quelqu'un d'autre, vous avez une assist. Donc normalement, un support finit avec beaucoup d'assist. Si vous prenez en compte par exemple le Genos, il est sur 30. Bon, Genos c'est très facile parce que son heal dure une demi-heure. Donc Genos c'est souvent un des persos qui a le plus d'assist du jeu. Je crois qu'hier j'ai fait 52 assists dans une game avec Genos. En ranked. Je crois que c'était mon chiffre le plus élevé. Voilou. Et ben, j'espère que vous aurez apprécié le point sur Buck. Et voilà. Donc c'est encore à peu près viable. Mais c'est malheureusement moins fort que Miv, Eevee. On voit bien que Miv, c'est difficile à tuer pour un Buck. Il faut vraiment mettre les balles dans la tête. On a réussi à mettre quelques balles dans la tête. Il y a des moments où on a réussi à faire deux combos balles dans la tête. On a fait piou dans la tête, piou dans la tête. Et vous voyez que là, ça fait très mal, Buck. Donc c'est comme ça qu'il faut le jouer, hein. C'est vraiment les balles dans la tête. Il y a qu'une façon de rendre viable Buck, c'est que vous soyez un as des tirs dans la tête et que vous fassiez que ça. À partir de là, vous pouvez jouer Buck. Si vous mettez les trois quarts de vos tirs dans le corps, malheureusement Buck, quand vous allez arriver en diamant, vous allez commencer à pu être capable de le sortir, je pense. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Et puis je vais essayer de vous faire un prochain le point sûr. Ça sera de toute façon des le point sûr sur des persos que je ne joue plus du tout. Puisque je dois faire derrière, je dois faire Kinessa, Koga, Io et Genos. Bon, Genos, ça ira. Io, ça ira, je pense. Mais je dois faire Kinessa Koga, que j'ai pas fait de l'année 2019. Et après, on aura fait tous les persos de 2019. Et Strix. Strix, on l'a pas fait en 2019. Et Willow, on l'a pas fait en 2019 non plus. Donc voilà les personnages que je vais faire
que je vais faire. L'autre jour, j'ai pris un calepin et un crayon et j'ai noté tous ceux que j'avais fait et dans l'ordre à peu près pour pouvoir reprendre le point sûr. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Ciao.